merci d'être venus aussi nombreux à cette réunion très importante par rapport à l'éventuelle fermeture de la garderie. Donc, qui dit fermeture de la garderie, qui dit fermeture à moyen terme d'une ou de plusieurs classes et la mort du village. C'est pas évident de vivre sur une île. Les gens disent vous vivez sur un paradis. Bien sûr, la nature, elle est magnifique. C'est pas le paradis pour lui. Je crois que c'est vraiment une incompréhension, une méconnaissance. C'est-à-dire qu'ailleurs, ils ne se rendent pas compte. À chaque fois, on oublie le problème des Iliens qui vivent, qui restent. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Est-ce que c'est bon, vous êtes au paradis, qu'est-ce que vous gagnez? Mais on n'a pas le niveau qu'un citoyen de hier a au niveau des services aux personnes âgées, au niveau des enfants, à tout au niveau du médecin. Donc c'est une méconnaissance, une incompréhension. Il y a eu au fur et à mesure une dégradation des conditions de vie sur l'île à l'année. Le problème, c'est que des porte-relais, il y en a de moins en moins. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que les trois quarts des commerces qui avant étaient détenus par des gens de porte-relais sont passés à des gens qui viennent d'en face. Il n'y a plus que des commerçants qui maintenant viennent ici, font leur fric et se tirent dès que la saison est terminée. Et ils n'en ont rien à tirer de porte-relais. Donc, petit à petit, cette population-là disparaît. Et l'histoire de la garderie, moi j'y pensais aussi tout à l'heure, je me disais, mais quand même, ce qui est, il y a aussi il n'y a pas que le fait qu'il y a des mères de famille qui en ont besoin, ce qui est vrai, parce qu'elles travaillent. Il y a aussi les enfants. Pour sociabiliser un peu leur enfant, s'ils ne peuvent pas le mettre à la garderie, s'ils sont obligés d'attendre 6 ans pour le mettre en maternelle, et encore ils veulent nous sucrer aussi une classe, ça c'est aussi dans le projet. Vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre sur la place du village que peut-être les enfants rencontrent d'autres enfants. C'est quand même aussi un moyen pour les enfants aussi de se sociabiliser. Il ne faut pas penser qu'aux mères de famille.